retrouve aujourd'hui dans une situation un petit peu particulière, car nous sommes le soir. Voilà, c'est la première fois que je filme le soir. Je vous explique le pourquoi du comment. J'ai reçu ce colis aujourd'hui et je n'ai pas pu encore l'ouvrir parce que, bien évidemment, je voulais l'ouvrir avec vous et je n'ai pas pu tourner mon unboxing avant. Étant donné que je trépigne d'impatience pour ouvrir ce colis, je me suis dit, ben, on va changer nos habitudes et on va filmer le soir. Et en plus, je vous filme dans un nouvel endroit car j'ai réussi à me faire un. Bon, je peux vous montrer, hein. Regardez, un petit coin d'épée. Voilà. Donc, mon bureau, voilà. Je suis toute fière de pouvoir vous le montrer. Voilà. Et vous voyez maintenant où je vais effectuer mes DP. J'ai eu une grande crise de comment? Comment vous dire ça? De ne plus en pouvoir tellement que j'en avais partout. Mon bureau, il y avait toutes mes toiles que j'ai en stock dessus. Je ne pouvais pas y travailler et j'en avais marre d'être sur la table à manger. À chaque fois, enlève, repose, relève, enlève, repose. J'en avais marre. Donc, du coup, je me suis dit aujourd'hui, c'est déménagement. Et ça a été vraiment un déménagement. Pour celles qui ont suivi les photos à qui j'ai pu leur envoyer, eh ben, elles pourront confirmer que ça a été un vrai déménagement de ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, allez, suffit de blablater. Voilà. Donc, je vais m'ouvrir. Donc, ça vient d'un nouveau vendeur. Que je vais même être incapable de vous dire le nom. Je vais vous. Je vous l'écrirai, enfin, je l'incrusterai dans la vidéo. Voilà, à ce moment-là, le nom du vendeur. Et il a été relativement vite pour l'expédition. Ça a mis, il me semble, une dizaine de jours, pas plus. Donc, hop, on découvre. Oh! Mais génial! Regardez-moi ça! Regardez ce qu'on a dans ce tout kit! Mais c'est trop génial! Alors, bon, alors ça, j'aurais pas imaginé vu le vendeur que c'était. Donc, agréablement surprise. Donc, un petit squishy. Alors, je vais essayer de jouer avec la lumière, hein, parce que alors, du coup, on est là avec la lumière artificielle. Un stylet basique avec un petit multiplaceur. Hop, de 3. Un pain de colle assez conséquent, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Une barquette blanche qui est quand même assez grande. Voilà, avec le bec verseur. Et une super pince noire. Et voilà. Hop. Voilà. Oh, je suis ravie. Alors, je pense, j'aurais été, je vous dis, hein, j'aurais parié que ça aurait été la pince à neuneu, là, la pince qu'on n'aime pas. Qu'est-ce que je vous montre? Bon, écoutez, on va ouvrir la toile, hein, et on verra les diamants après. Donc, vous voyez, c'est dans des petits boudins comme ça. Hein. Hop, on peut peut-être la sortir. Non, on ne peut pas la sortir sans le péter. Donc, on va le péter. Voilà. C'est bien scotché, hein, en tout cas. Hein. Il n'y a pas de souci. Et on a encore après, mais encore un papier. Eh ben, dis donc. En tout cas, et on a un gros boudin. Là. Vous voyez, c'est pas le petit où la toile elle flotte dedans. Hein. C'est vraiment un super emballage. Hop. Donc. C'est de la colle de glaçage, à mon avis. Voilà. Donc, on a ici en haut, comme quoi, c'est du carré. Et la taille 40 par 50. Ah, oh, bah, j'étais sûre d'avoir pris une 30 par 40. Ah, mais non, vu le modèle, effectivement, ça devait être une 40-50. Et il y a encore, là, vous voyez, un bout de scotch. Ah, bah, dis donc. Franchement, l'emballage, top, quoi. Alors, on va enlever le scotch tout de suite.
Allez, on va enlever les coins. Alors. Ah, les rivières. Les rivières qui se forment. Mais ça, très souvent. Très, très souvent sur les doubles faces. Et comme Home Fun. Alors, que j'essaie. Bon, je vais d'abord enlever la, les quatre autres coins. Ça sera plus simple, à mon avis. Voilà. Parce qu'il me semble, ouais, c'est une seule et même feuille. Il n'y a pas de séparation sur la feuille. Donc je vais vite faire comme ça. Bon. De toute façon, je pense que ouais, ça va. Ça va, ça va. Je vais vous la mettre de toute façon. Je vais vous l'enlever. Hop là. Je vais aller pas dans le bon sens. Voilà. Et hop là. Et moi, je la remettrai après. Alors, est-ce qu'on voit? Ça fait un peu comme... Oui. Là, vous voyez la petite tête. Donc, c'est une... Oh là là. Alors, attendez. Est-ce que si je vous enlève ça... Non, c'est pire. C'est pire, c'est pire, c'est pire, c'est pire. Ah si, voilà, peut-être comme ça. Ouais, mais ça fait un peu comme comme Evermoment ou même Manu Rachel Store. On désigne, on devine pas très très bien le dessin. Donc je vais vous montrer la feuille qui est dans les diamants. Voilà. Hop. Alors, la feuille 0 se présente comme ça. Ah, bon, on voit bien le... Voilà, elle est en micro, mais là en dessous, oui, on la voit bien. Et elle a de longs cheveux avec le livre et tout, et dans les tons de violet. Donc j'ai adoré les couleurs. C'est un vendeur que je ne connais absolument pas. Hein. Alors, en revanche, les symboles sur la feuille de route. Comment vous montrer ça? Ouais, c'est pas... c'est pas si... Voilà, là, vous voyez bien, mais bon, pas terrible, terrible. Là, on va regarder les symboles sur la toile. Je sais même pas combien il y a de couleurs. Et alors, les diamants sont sympas. C'est dans des sachets zippés. Et dessus, vous voyez, il y a le numéro de la DMC. Et les 3,5, je crois que c'est le poids hein, qu'il y a de diamants. 472. Voilà. En tout cas, ils m'ont l'air très, très, très beaux. Hop, le violet. Le violet, on est pas mal. Hein. Voilà, c'est le 550. Alors, je vais essayer, hop. On va mettre dans une barquette pour qu'on voit ensemble, malgré qu'on sait bien, on sait toutes bien que c'est uniquement à la pause qu'on va se rendre compte des choses. Alors, puis alors en plus avec la luminosité, ouais, on voit pas grand chose. Ouh, je suis vraiment désolée, c'est que je voulais vraiment l'ouvrir, je ne pouvais plus attendre. Je vais essayer de mettre là. La lumière, voilà, par là, voilà. Ah si, là, il y a celui-là qui a l'air un peu creusé, là. Bah ma foi, hein, de toute façon, on verra bien à la pause, mais bon. Vous me connaissez, vous commencez à me connaître, du coup, pour voir la qualité. Et en plus, je dois donner mon avis à Charlotte. Donc du coup... Je vais, à mon avis, la commencer rapidement. Alors, ça colle très bien. La toile est assez fine, elle n'est pas épaisse. Et regardez l'impression des symboles. On les voit super bien. Limite le cœur, vous savez quoi? La seule fois où je l'ai vu, c'est chez Evermoment. Evermoment, pardon. Même le petit trait là en diagonale, il n'y a que chez eux que j'ai vu. Alors, écoutez, j'ai envie de vous dire si c'est des diamants. Ouh, elle colle. Des diamants comme Evermoment. Bah, pourquoi pas,
Hein? Au prix où je l'ai payé, c'est pareil, je vous mettrai à ce moment-là de la vidéo et je les comptais avec vous les couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voilà, 30 couleurs pour une 40 par 50, bah ma foi, enfin bon voilà, hein. C'est beaucoup de teintes de rose et de violet, hein. Donc bon, 30 couleurs, je trouve ça pas mal. Donc j'ai vraiment très 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 hâte de la commencer, donc je pense que ça ne serait tardé. Regardez cette jolie couleur, j'adore cette couleur, le 37-56. Regardez-moi ça, le bleu un peu très très clair, j'adore. Donc voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser là le temps de refermer ma toile et je reviens vers vous. Et me revoilà les amis, ça y est, j'ai remis la feuille, bon je galérais hein, comme d'hab. Et du coup je vous reprends pour vous faire mon petit concours des 200 abonnés révolus, mais je n'ai pas eu le temps de vous le faire, voilà. Et surtout je vous fais ça dans une vidéo en fait où il y aura pour titre unboxing. Donc en fait les gens qui pourront participer à ce concours seront uniquement les gens qui me suivent vraiment et qui iront jusqu'au bout de cette vidéo. Et ouais, je suis méchante, je suis vraiment méchante hein. Mais voilà, mais du coup je me dis que je verrai là vraiment mes fidèles abonnés. Donc voilà les amis. Donc bah écoutez, je vais vous montrer les deux toiles que je mets en participation. Donc nous avons hop, la petite avec les deux pandas. Celle-ci c'est une toile que bah, vous n'aurez pas vu le unboxing parce que c'est des toiles que j'ai prises sur Amazon exprès pour vous pour les concours. Voilà, donc du coup, vous avez les petits pandas, vous avez les DMC sur le côté, on a 23 couleurs, je vais vous dire si ça colle très bien, voilà, et c'est du diamant rond, donc je ne vais pas vous les ouvrir, parce que c'est pour vous, j'ai pas envie de mettre le bazar. Bon, Amazon, franchement, je n'ai jamais eu de souci de manque de diamants ou quoi que ce soit. Si vraiment c'est celle-ci qui est remportée de toile, eh ben écoutez, je vous laisse vraiment me contacter s'il y a un souci. Voilà, et avec celle-ci, je vous offre le petit stylet fait par mes mains. Voilà, le petit dans les tons de violet. Bon, il est un petit peu biscornu, hein, je suis désolée. Hein. Je ne suis pas une professionnelle, mais c'est l'intention qui compte. Voilà, donc je vous mettrai le petit stylet avec, et bien entendu, une barquette et un pain de colle. Voilà, donc on a déjà celle-ci que je mets de côté. Et nous avons la deuxième, qui est celle-ci. Celle-ci, c'est celle que j'ai eue en partenariat. Voilà, et du coup, bah, je me décide à vous l'offrir parce que je m'étais acheté celle de Shane qui ressemble étrangement hein, parce que c'est les mêmes fleurs, les succulentes. Voilà, donc du coup, c'est celle-ci. Voilà, le cœur avec les succulentes dedans, moi. Les fleurs artichauts, hein, que je dis, comme je dis. Voilà, donc vous avez de très jolies couleurs, bah, c'est ceci, hein, je les avais ouvert. Hein. Et il y en a 24. Je revérifie avec vous. J'avais vérifié lors de l'unboxing. Ça colle très bien. Voilà, il y a une petite. C'est pas une rivière, c'est une crevasse. C'est de la colle coulée, donc c'est pas grand chose. Donc je pense que si vous la mettez un petit peu à plat, si c'est celle-ci qui est remportée, voilà, il n'y aura pas de souci. Et du coup, je vous offre le stylet bleu avec les petites étoiles. Également fabriqué par mes petites mains. Donc voilà, donc écoutez, je mets les deux en jeu, mais les deux ne seront pas à gagner. En fonction des commentaires, bah, je ferai le tirage au sort par rapport au nom qui aura remporté le plus de suffrages. Donc c'est-à-dire que si vous aimez celle-ci, eh ben, petit commentaire avec le mot cœur sans trop de précision, hein, voilà, vous m'avez compris, étant donné que c'est vraiment
pour voir qui regarde mes vidéos. J'ai pas envie qu'en ouvrant la vidéo, on voit oh, j'adore le cœur, ou je sais pas. Essayer de l'inclure dans une phrase. Et puis bah, pour les pandas, panda. Voilà, on va pas se prendre la tête, hein, on va pas chercher midi à 14h. Donc, panda. Donc, cœur et panda. Donc, je mettrai, quand je ferai le tirage au sort, comment, les précisions pour faire le tirage sur l'application, je mettrai panda, je verrai le nombre je verrai le nombre de commentaires que j'aurai eu avec le mot panda, et je ferai la même chose avec le mot cœur. Et celui des deux où il y aura le plus de commentaires, eh ben je ferai le tirage au sort sur celui-ci. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai été claire. Hein. Donc j'espère que ces deux vidéos vous auront plu. Je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, alors attendez, non, je ne vous ai pas dit. Parce que je ne vais pas la sortir tout de suite. Je vais la sortir. Si c'est une. Elle sortira le samedi 12 septembre, si je dis pas de bêtises. Lundi 6, non, ça, on ne peut pas être le 12, je crois. Lundi 6, mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10, samedi 11. Voilà, elle sortira cette vidéo le samedi 11 septembre et je laisserai jusqu'au samedi 18 décembre minuit pour la participation. Et donc, j'effectuerai le dimanche 19 au matin le résultat du concours. Donc voilà, cette fois-ci, je vais vous laisser. Peut-être aller me coucher, hein, vu l'heure qu'il est. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!